Et on se retrouve au Aura de Colville, toujours avec nos partenaires Dinavena et Green Equian, avec cet étalon. C'est l'un des nouveaux étalons depuis quelques années. C'est Galileo, le fils de Galileo, qu'on va voir marcher dans un instant. Et pour parler de Galileo, on va voir Guillaume Witz, bonjour. Tu vas bien? Galileo, qu'est-ce qu'on peut en dire en 2018? Galileo en 2018, c'est un petit peu notre espoir. Donc les premiers produits sont yearling depuis peu. Nous, on en a 18 à la maison, on est très contents. C'est un cheval sur lequel on a énormément misé. Il a un croisement superbe avec une famille qui est vraiment axée sur la vitesse, sur 3 générations. Donc un Galileo avec le croisement qu'il a et en plus une famille sur la vitesse. Si ça veut nous sourire, on sera vraiment content. On sera bien en 2018. Tu disais 18 yearlings, nouveaux yearlings, tous ont été élevés à Colville? Non, il y en a 13 qui ont été élevés à la maison et puis on a fait le tour des herbages chez les éleveurs comme ça et on en a acheté 5 à l'amiable. Et d'ailleurs, on a acheté tous ceux qu'on voyait et les clients qui étaient OK avec les offres parce qu'ils nous ont tous plu, tout simplement. Donc rien à dire. Est-ce que certains Galileo du Aura de Colville vont passer en vente aussi? Oui, c'est possible qu'on en passe un ou deux en vente parce qu'on a quand même des poulains qui sont très très beaux avec des bons pédigrés, avec des mères gagnantes de groupe ou gagnantes de listed à 2 ans, donc ça peut être intéressant. Mais c'est aussi des produits qu'on a très envie d'exploiter nous-mêmes. Les passer en vente, oui, pourquoi pas pour faire entre guillemets le buzz ou pour faire parler du cheval, mais c'est pas la vocation première de cet étalon-là. Nous, c'est l'avoir, essayer de faire le même qu'avec Ken d'Argent, l'exploiter, qu'il sorte et lui donner toutes ses chances. Et pour ce faire, Monsieur Parent, c'est l'homme de la situation. Monsieur l'homme de la situation. On te laisse, merci Guillaume, avec tes nombreux hôtes. Et Guillaume qui est en train de présenter le cheval. C'était donc l'étape O'Hara de Colville. C'était Galileo avec Green Equian et Dinavena.